Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui porte sur l'oscilloscope. Et bien sûr pour les élèves du tronc commun scientifique. Donc, on commence. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause, puis vous pouvez y revenir après avoir résoudre l'exercice. Alors, on répond à la première question. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une tension continue? Donc, la réponse est non. D'accord? Donc, bien sûr, si la tension était continue, on va observer un trait, d'accord, dans l'écran d'affichage de l'oscilloscope. Mais ici, on constate un signal, d'accord, qui change de signe et d'intensité. Donc, l'intensité de ce signal-là, bien de cette tension, n'est pas constante et son signe aussi. Donc, ici le signe est positif et ici le signe de la tension est négative. Donc, non, cette tension n'est pas continue. Deuxième question, cette tension est-elle alternative? Donc, la réponse est oui. D'accord? Oui, cette réponse est, cette tension est alternative car, donc, on constate qu'elle présente une variation, d'accord, qui est répétée dans le temps. Donc, regardez bien, il y a une variation qui se répète tout au long du temps. D'accord? Donc ça, l'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Donc, alternative, ça veut dire parfois il est voilà positif, parfois il est négatif. Et cette bien sûr, ce changement, bien cette variation se répète au fil du temps. Troisièmement, cette tension est-elle périodique? Oui. Donc la réponse est oui. Pourquoi? Parce que ce changement-là, ou bien cette variation, se répète identique à elle-même dans un intervalle de temps bien précis. Donc, on constate dans cet intervalle-là, c'est-à-dire de ce point à ce point, d'accord? À partir de ce point, ce motif-là, cette figure, si vous voulez, ce signal, elle va se répéter identique à lui-même, d'accord? D'accord? Si jamais on peut afficher voilà, le reste de cet écran, on va observer encore le même motif qui va se répéter à partir de ce point, d'accord, pendant le même intervalle de temps. D'accord? C'est-à-dire pendant un intervalle de temps, on va avoir le même motif qui se répète. Voilà, donc la réponse est oui, cette tension est périodique car elle se répète identique à elle-même au bout d'un même intervalle de temps. Quatrièmement, quelle grandeur représente l'axe horizontal? Donc l'axe horizontal, bien sûr, représente, on a déjà dit ça dans le cours, ça représente l'axe des temps. Et son unité est le milliseconde par division. Donc chaque division représente un milliseconde. Bien sûr, si on choisit ce calibre, mais il faut toujours voilà, regarder ici pour connaître la sensibilité horizontale, ça veut dire la valeur d'un voilà d'une division horizontale. La question suivante, quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? Donc l'axe vertical, bien sûr, représente l'axe des tensions, d'accord? Et son unité, c'est le volt par division. Donc pour connaître la valeur de chaque division, il suffit de regarder la sensibilité ou bien le bouton qui représente la sensibilité, d'accord? Donc ici, la sensibilité, on constate qu'elle est égale à 5, ça veut dire chaque division verticale représente 5 volts. Sixième question, quelle est la valeur de la tension maximale? Donc pour calculer la tension maximale, on utilise la relation que vous avez dans le cours. UM, c'est le symbole de la tension maximale. SY, c'est la sensibilité verticale. On peut la noter aussi SV. D'accord? Fois Y. Y étant le nombre de divisions horizontales, d'accord, entre le sommet de ce signal-là, ou bien le pic de ce signal, et l'axe horizontal. Donc voilà, reprenons voilà, le schéma de l'oscilloscope. Donc on constate ici que déjà la sensibilité horizontale est représentée par est indiquée par ce bouton-là. Donc on constate qu'il indique 5, bien sûr 5 volts, d'accord,
Et pour Y, c'est, d'accord, c'est deux divisions. Donc cette valeur-là, ça représente la tension maximale. Donc c'est deux divisions. Donc on va multiplier 2 par 5. Voilà. Donc UM égale à 5 volts par division fois 2 divisions. Donc les divisions vont se simplifier. Et on va se retrouver avec 5 fois 2, ça fait 10 volts. Voilà. Question suivante. Quelle est la valeur de la période? Donc la période, on la calcule aussi par cette relation. SH étant la sensibilité horizontale, ce bouton-là, ce bouton rotatif. Et X, c'est voilà, le nombre de divisions entre ou bien dans une période. Donc SH ici, c'est 0,2. D'accord? Et pour X, donc voilà, il faut compter ce nombre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc ça, c'est la période. D'accord? Bien sûr, on peut utiliser aussi, on peut compter le nombre de divisions entre ces deux sommets-là. On va trouver la même chose, mais on a choisi voilà, cette période parce qu'elle est voilà, plus lisible que celle-là. Application numérique, donc SH, c'est 0,2 milli, attention ici, c'est millisecondes, d'accord, par division, fois 6 divisions, bien sûr, les divisions vont se simplifier, et après, on va se retrouver avec 1,2 millisecondes. Voilà. Huitièmement, on vous demande de calculer la fréquence. Donc, on sait que la fréquence, c'est le nombre de périodes en une seconde, donc on peut la calculer par l'inverse de la période. D'accord? Et en remplaçant t par, bien sûr, sa valeur, il faut pas oublier, bien sûr, de convertir ça en, voilà, secondes. Il faut travailler avec le système international des unités. Et bien sûr, on va trouver 833,3 Hz. Dernière question. Donc, quelle est la valeur efficace de cette tension? Comment aurait-on pu la mesurer? Donc, la tension efficace se calcule par la relation suivante. Voilà, qui est UM sur racine de 2. Et bien sûr, on remplace UM par sa valeur qui est 10. On trouve 7,0,7. D'accord? Et on peut mesurer la tension, bien sûr, efficace en utilisant un voltmètre. D'accord? Ça, c'est la différence entre la tension efficace et la tension maximale. Donc, la tension maximale, on peut la mesurer avec un oscilloscope. D'accord? Et la tension efficace se mesure avec le voltmètre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Très bon courage à vous. Au revoir.